Ce qu'on peut retenir, comme vous l'avez constaté, au niveau de la zone de Kobaya, le pont qui relie le quartier Lambayi et Kobaya a été inondé ce matin. Et la police avait fait des alertes par rapport à la mobilité des citoyens. Et malheureusement, notre sœur, notre maman, qui était en partance pour son lieu de travail, a connu une panne après avoir tenté de traverser le pont qui était déjà inondé. Et la voiture a été drainée par l'eau de ruissellement jusqu'au niveau du lit du cours d'eau. Et malheureusement, la mort s'en est suivie. Avec l'ensemble des cadres du ministère des Travaux publics et le ministre, nous sommes rendus sur les lieux pour voir quelles autres dispositions pratiques nous pouvons prendre pour désormais, même quand il y a des cas d'inondation, qui peut peut-être empêcher que des engins puissent être drainés dans le lit du cours d'eau par les eaux et inondés. Mais également, nous sommes venus au nom du chef de l'État, de monsieur le Premier ministre, voir la famille qui a quand même été frappée par cette situation, montrer la compassion du gouvernement et toute notre solidarité, et montrer à la famille que le gouvernement est à côté d'eux. Et pour rappel, l'époux de cette dame est un ancien haut commis de l'État. Il a servi pratiquement au ministère de la Sécurité comme directeur général de la police. Donc en temps normal, il serait lui-même sur le terrain aujourd'hui en tant qu'agent de protection civile pour sauver d'autres Guinéens. Donc nous sommes venus dans la famille pour présenter les condoléances au nom de l'ensemble du gouvernement et montrer à la famille que nous sommes solidaires et nous compatissons à leur douleur. Chaque année, dans des zones inondables, vous avez ce genre de situation. Donc nous invitons la population à plus de prudence et surtout pendant les pluies qui sont abondantes, de garder les mesures de précaution, éviter de risquer de traverser des zones où l'eau de ruissellement est très importante et ne pas prendre de risques. Okay? On le voit tous les jours où les automobilistes essayent de prendre des risques. Il ne faut pas le faire. Lorsque vous sentez que la pluie est abondante, il faut prendre toutes les précautions, faire rebrousser chemin ou attendre que le niveau de pluie baisse. Donc, nous allons sur le terrain vérifier tous les cas dans lesquels il y a ces risques. Cette année, comme vous le savez, avec les instructions du président de la République et du chef du gouvernement, nous avons fait beaucoup de prévention. On a fait beaucoup de dragage, beaucoup de curage au niveau de ces lacs, de ces cours d'eau, ce qui fait que le risque s'est amoindri cette année. Mais nous allons faire preuve de beaucoup plus de vigilance en renforçant les dispositifs de sécurité, mais aussi en comptant sur vous, les médias, pour mieux sensibiliser les populations pendant cette période. Mon Dieu.
C'est terrible. C'est votre bâtiment, ça? Oui. Ouais. Mais c'est terrible, c'est terrible. Je m'a dit que nous avons un arabe. Par un bâtiment. C'est terrible. Soyez fort, hein? Mes condoléances. Ah, ben, 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 ah, ben